Le maire du village veut vous souhaiter une excellente année. Sachez que cette année, il va falloir faire des efforts parce que le budget pour la réparation dans le village, elle était pas super. On a eu 35 millions d'euros de réparation dans le village. J'ai pas l'argent pour réparer tout ça, moi. Alors je compte sur vous cette année. Rajoute 10 000 dans le budget de réparation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller regarder nos super potes du village. Je me suis fait spammer partout pour un nouvel épisode. Ah, j'espère qu'ils ont fait attention cette année. Faut pas commencer avec un gros budget catastrophe. C'est parti. Ah, c'est le bûcheron du village. Ah, je vous ai dit, on a plus de budget. On peut pas leur acheter des haches, les bûcherons. Ils ont des nouvelles techniques. En vrai, ça marche bien. Mais ça... Mais non. J'avoue, la pauvre, c'est pas drôle, mais quand même, tu fais pas ça aussi d'une poubelle ou... Ça, c'est le restaurant du village. Apparemment, il y a genre parfois 2 à 3 heures d'attente avant de se faire servir. On n'a jamais compris pourquoi, mais maintenant qu'on a installé des caméras, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe. Hein. Oh, mais le monsieur est pété de thunes, mais... Attends, qu'est-ce qui... Il est sur un balcon, il y a du vent, et c'est... Voici le gars pété de thunes du village, hop là. Mais c'est des billets de sang. C'était des billets de sang. Wow, comment ça fait mal, ça. Il était plein des mecs. Il a retiré toute sa thune pour faire sa vidéo, il a tout perdu. Il est passé de super riche à super pauvre. C'est une tentative, c'est les voleurs, ça. Ah ouais, d'accord, ça tente de cambrioler, je sais pas, une banque ou... C'est quoi ce fait? On les a vus en plein entraînement dans un épisode. Là, ils se sont dit, c'est bon, on passe à l'action là, on va braquer une banque. Quand l'autre, il se croise le pied. Elle, elle fait quoi? Elle se dit, vas-y, je passe par la fenêtre, je suis un grand cambrioleur. Sauf qu'en fait, la porte, c'est ouverte. Retournez à l'entraînement là, ça va pas du tout. Je le sentais trop pas, ce truc, ça sentait ça. C'est les déménageurs du village. C'est la seule entreprise de déménagement qu'on a dans le village. Alors c'est soit eux, soit tu te débrouilles avec tes meubles. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Mais qui a installé ça? Qui installe ça là, ici là? Qu'est-ce qu'il fait? Y'a rien qui va dans cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Déjà qu'il installe un tapis de course à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais y'a rien qui va dans ce village! Attends! Le tapis de course, il le fout à l'extérieur avec les vélos là! Et lui, il fait quoi? Il a pas compris comment ça marche, le tapis de course là! Qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde fait n'importe quoi là! Qu'est-ce qu'il fait Rodney là? Qu'est-ce qu'il nous fait Rodney là? Rodney, il est coincé là! Y'a rien qui va dans ce bureau là. Mais qu'est-ce qu'il fait au milieu? Il bouge plus là. Il comprend pas ce qui se passe. Ils sont venus ramener des pizzas au bureau. Y'a lui là, le gamin, tu sais pas ce qu'il fait là. Il sait pas ouvrir une porte. Et l'autre là. Oh, t'inquiète, j'arrive, je vais t'ouvrir la porte. Ça, c'est nos bureaux dans le village, ouais. Alors, franchement, ça tape de ouf, hein. C'est quoi ce baseball? Ok les gars, je suis prêt! Je vais l'attraper! Et hop là! 10 points pour Serpentard! C'est le Quidditch! Oui, mais lui, je le sens pas. Tous les mecs qui ont des élastiques comme ça, il y en a toujours un, il va se le prendre dans la tronche, tu vois. Oh, comment il allait se cacher? Lui, c'était le prof de sport du village. Là, ce que tu fais, là, c'est nul à chier. Regarde, moi, je vais te montrer comment on fait. Des gros pecs, des gros biceps, moi, je vois, moi, je suis un gars super musclé, moi. Prends comme ça, là, tu déchires la con. Ah, vas-y, tiens, ça m'a saoulé, vas-y. Et on a plus de prof de sport parce qu'il est parti, en fait. Le mec, il a quitté le village, hein. Oh, non. Oh, non, la pauvre dame. Oh non, le beau gâteau, regarde ça! Mais non! Attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Attends! Elle fait un test de goûtage. Est-ce que c'est encore bon si je le ramène comme ça? Ouais, bon, peut-être pas de ce côté-là, peut-être celui-ci. Miam, miam, miam. Ah, en vrai, ça passe!
qu'est-ce qu'il nous prépare, lui? Je le sens vraiment pas. Ça, c'est... Moi, je suis un grand casseur de bouteilles. Je vais te montrer la force de mon crâne. Elle est tellement surpuissante, c'est surhumain. Yo, mais lui, il est débile ou quoi? Il s'est dit, vas-y, la meilleure idée que j'ai eue, c'est d'aller camper dans la savane, au milieu des lions. Mais je suis un génie, moi. Mais regarde, oh, mais... qu'est-ce qu'il fait le lion, là? Il est en train de lui tirer la tente. Mais moi, je... prêt, mec, je serais dans la tente, mais déjà jamais j'aurais eu l'idée d'aller camper comme ça au milieu des lions. Mais regarde ça, il se fait victime par un lion là. Vas-y frérot, laisse pas rentrer, t'inquiète, je vais rien faire. Mais qu'est-ce que... Il s'est barré en tout. Eh, bienvenue dans Man vs Wild. Moi je suis Rodney, je suis un aventurier dans la savane. Les lions, ça me connaît, moi. J'ai pas peur des lions. Hop. Eh, lâche-moi. Oh, arrête de faire ça, c'est pas cool. Au secours, arrêtez. C'est des tons, ça pas. Ah, j'ai pas vu, il y avait un chat. Ah, je t'ai pas vu. Mais il y a combien de chats, attends? Il y a un chat qui court et il y en a un autre qui sort de... Il s'est multiplié, le chat. Il a fait comment, là? Il s'est dupliqué. Il... Mais attends, va falloir qu'on fasse une vidéo sur les chats, là. Il y a un problème. J'allais dire, mais qu'est-ce qui t'a fait ce cactus là, le pauvre cactus? Il est là tranquille, il t'a rien fait, tu lui mets un coup de batte de baseball. Mais quel giga karma, regarde ça, il t'a attaqué là, il t'a fait un attaque cactus là. N'attaquez pas les cactus dans le village, ils sont au fait plus intelligents que ce que vous croyez. Il dort le mec. Ah ouais, c'est là. Oh la honte, oh non! C'est l'école du village. On a des élèves très très intelligents. On est sur la bonne voie. Ça joue au rugby, là? C'est le football américain? Oh, mais ça, c'est imperfect, ça! C'est les nouvelles règles du football américain, mais parfait, moi, je veux jouer à ce jeu, il est trop bien! Là, tu fais gagner ton équipe, attends, il s'est en plein dans le mille, là, c'est parfait! Mais non, mais... Je... Pourquoi vous détruisez comme ça des bonhommes de neige aussi jolis comme ça, là? Il me semblait qu'on avait été clair avec les bonhommes de neige, hein. On en a parlé dans ma vidéo du karma. La malédiction du bonhomme de neige. Dès que tu détruis un bonhomme de neige, il t'arrive un karma, mais incroyable. Laissez les bonhommes de neige où ils sont, les touchez pas, vaut mieux pour vous, en fait. C'était son premier jour de skate ou... Oh les gars, je viens d'acheter un skate à ma meuf, regardez ça, je suis sûr qu'elle est super balèze là. Vas-y bébé, montre comment tu sais faire du skate là. En fait, ma meuf, elle est trop conne. Ouais les meufs, je suis célibataire. Mais c'est quoi ça? Ah non, mais ça c'est les gars là, parce qu'ils font trop les shows et que ça change de situation, ils se mettent à courir. Viens, on va se battre, viens, viens, espèce de petite... Viens, viens. Oh, je rigole, c'est une blague, arrête, je rigole. Ok, attends juste, moi je vois un mec qui rentre comme ça déjà. Il va faire une dinguerie, mais je pense qu'il va faire la pire des dingueries, genre le truc qu'il faut pas faire en fait. Ah, voilà, c'est... Oh non, non, le fail! Voilà, il y a sa grosse face, là. Voilà, tout le monde va savoir comment... Voilà, bah... Attends, il y a vraiment une dame qui vient de rentrer, qui l'a... Il y a un mec qui est venu pour braquer une banque. Il s'est retrouvé bloqué. Et là, il y a une petite dame. Elle voit bien qu'il y a un problème, mais elle se dit quand même... Oh, moi, je vais rentrer, je vais déposer des sous. Non, mais ces jeunes, j'en ai marre des jeunes comme ça, là. Tous les mêmes, les jeunes, hein. En train de faire des conneries tout le temps, hein. Ah, les mamies, ça, j'adore. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Toujours aussi génial, ce village. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Pensez au petit like qui fait plaisir. À vous abonner à ma chaîne YouTube. Bien évidemment. Et à la partager avec vos amis. Il faut qu'ils reviennent et il faut qu'ils jouent le village. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.